I hear it echoing of every place that we call our home. And I don't talk of any time I ever believed. Tous les amis, c'est Jason et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode numéro 9 de Hellblade: Senua's Sacrifice. Quel plaisir d'avoir vaincu Valraven et en une fois en plus, ça c'est étonnant. Allez, on va continuer la partie. Comme j'avais dit, il y a pas mal d'ennemis visiblement, apparemment. Du coup, enfin, vu ce que disent les succès, il y a encore d'autres ennemis hein, que je n'ai pas encore rencontrés. Bien évidemment, et on a encore du chemin jusqu'à LM visiblement. Parce que comme je le rappelle, c'est pas parce qu'on a vaincu les dieux principaux, gardiens des portes, donc Surt et Valraven, c'est pas parce qu'on a tué ceux-ci qu'on a plus du tout d'ennemis après. C'est vraiment pas le cas. Et on a encore plein d'autres surprises à découvrir, puisque Ninja Theory nous a réservé pas mal de trucs. Donc voilà, on a encore une petite aventure ensemble. À vivre ensemble surtout. Donc voilà, on était ici, c'est parti. Donc on était là, on avait vaincu notre corbeau à la noix. Par contre, je vais passer quelque part, je sais pas où. Ah oui, par là. Parce que j'avais pas été voir s'il y avait par là finalement. Alors je sais pas si je dois faire demi-tour ou aller par là. Parce que souvenez-vous qu'on avait débloqué la porte et Valraven nous était tombé dessus. Donc on va aller zioter un petit peu ce qui se passe par là. Et je pense qu'on est à l'extérieur. Qu'est-ce que c'est que ce truc là? Ah, ah non, c'était là. Ok, on est venu de par là, donc on était sur la bonne voie en fait. On était sur la bonne voie, c'était vraiment par là qu'il fallait aller donc. Ok, wow. Bah tout va bien, ça commence très bien. Mais voilà, encore une fois, on a vaincu Valraven, donc voilà, rien de bien compliqué. Bah, je pense que de toute façon, ça va un petit peu se compliquer. Ah oui, on est revenu ici, d'accord, c'est la porte là qu'on a déverrouillée, d'accord, ok. Ah, bah, donc on a plus qu'à repartir dans l'autre sens et voir un peu ce que la suite nous réserve. Alors, est-ce que la porte de LM est finalement ouverte? Je ne sais pas. Mais je vais pas revenir encore une fois sur le fait qu'il y a pas mal d'ennemis à vaincre. Il y a beaucoup de paradoxes aussi. Ok. Mais du coup, j'ai l'impression que plus on avance dans le jeu, plus les ennemis sont nombreux. Donc, vu qu'on a vaincu Valraven et qu'on va passer bientôt à autre chose, je pense qu'on n'est pas encore au bout de nos surprises en termes d'accueil. On va passer par ici. Hein. Bah finalement je suis assez content parce que la pourriture n'est pas montée si haut que ça. Je m'entendais quand même pire après, je sais pas encore une fois ce qui va se passer après. Si ça se complique, on est dans la merde. L'objectif primaire c'est de ne pas recommencer le jeu à zéro. What? Comment ça? Il y a des visages qui me regardent là. T'es en train de me faire flipper là. Et moi je suis en train de regarder comme un con, parce qu'il y a des visages en fait. C'est marrant parce que c'est un jeu... Ah. D'accord, les visages, c'est ça le fameux... Just like I do. Once you can see into the underworld and all the souls within it will see you. Don't be afraid when they speak to you. I will always be here to guide you. Did you see her? That was her mother, Galina. D'accord. En fait, on a toute la famille qui se retrouve ici, quoi. Galina. She taught Senua to see the weave that binds the world. Du coup, j'oublie ce que je disais juste avant.
Ah oui, j'ai dit, c'est un jeu qui est calme en fait, il n'y a pas vraiment d'ambiance, enfin de musique et tout ça, il n'y a pas vraiment de. Vous savez, on a un bruit de fond, mais on n'a pas de musique. D'ailleurs, je vais aller voir dans les menus, parce que je pense qu'en fait, je l'avais désactivé, je crois, non? Audio, musique. Moi, je l'ai mis à 60, mais non, il n'y a pas de. Il y a plus de musique, je sais pas pourquoi. Bon, allez, il est temps de sortir de cette grotte. Hidden in the vault. Like she's still watching over. Mais en tout cas, je me répète, c'est assez joli quand les ténèbres ne tombent pas comme ça subitement. Ouais, qu'on a quand même une très bonne ambiance quand il n'y a rien dans les parages. C'est plutôt cool. Par contre, je sais pas du tout où je vais. Hein. Je crois que c'était par là. On doit revenir à LM dans. Ah bah oui, ok. On doit revenir à la porte principale de LM, donc c'est par ici. Fallait que je suive le. La route, parce que là on va retourner sur l'espèce de plage. Et je sais pas si la porte est ouverte. Mais j'ai l'impression qu'on va affronter quelque chose d'autre. Alors, vous vous souvenez quoi? On avait rencontré des ennemis avec des boucliers. Sauf que maintenant ils vont arriver avec des armures blindées. Ok, bon, on était ici. Et la marque de Surt. Vous pouvez traverser la bridge sur la rivière de Knives à Helheim. D'accord, donc ça c'est ça, la porte de LM. Ah oui, donc du coup, ouais, on a la porte de Surt là et la porte de Valraven qui est faite. Ok. Bon, bah c'est l'heure de vérité, hein, c'est parti. Alors, je sais pas ce que. There is no one here but me. Not you. Did you think that I would let you go? That you lost me back in the wilds? I will never let you go. You can't get rid of me. I am your shadow. And I will be watching when you draw your last dying gasp. I'm not ready to die. You will be when you see what they did to your dear beloved. They came through stormy black seas, they raided these shores. Do you still hear his screams? And now that you're home, he's so far away. They've taken his soul. To these gods you cannot pray. They can break you, but not your promise. Even death won't keep you apart. Through his darkness you will find him in your sword still beats a heart. You fought for love unspoiled by your darkness within. You fought for your dreams. Now there's no way to win. In the head of his corpse lies the seat of his soul. So you must carry his vessel to bring him back home.
The darkness touched you. Everyone could see it in the hollows of your eyes. A gaze averted from life. You ran from it but brought it nearer. Led it to him. An endless suffering worse than death. And you wanted to surrender, abandon, and to find peace with the gods. No. The darkness won't allow it. So you will walk into the lair of the beast. Look it in the eye, and you will go to war. This is your mission. This is your quest. There is nothing else left. Bien, petite cinématique. Un peu sympa, hein, la voix qui est assez flippante du coup. Pas le temps de se rendre là où on doit aller, c'est-à-dire à LA. Donc du coup, bah, pour ceux qui n'ont pas suivi, Dillian, c'est tout simplement le fiancé de Sinuas. Ah. C'était prévu ça. Donc Dillian, avec laquelle on, bah, sa tête est juste accrochée juste derrière. Ok, bon, on a... Non mais écoute pas. Oh purée. J'appuie sur une touche et ça apparaît son cou sans le vouloir. J'ai de la chance. J'ai de la chance. Bon bah je pense qu'ils vont essayer de nous barrer la route du coup. Eh bien, hop. Oh là, là aussi j'ai de la chance. The gods made you a warrior for a reason. It's your calling. Un peu de concentration. Ouais, du coup là les ténèbres, franchement. Bon, je peux... Je sais pas si je peux focus, mais je vais toujours regarder. Non, doucement, petit. J'ai toujours gardé le focus pour après. Je sais pas ce qui va se passer. Bon, on va garder ça de côté. T'as de la chance, j'ai esquivé, mon pote. Voilà. T'as pas envie de mourir? Oh, lui, t'es sérieux? Voilà. Bon, y'en a d'autres? Ah, ouais, y'en a à tous les mètres en fait. Ah, c'est lui que je voulais taper. Il y a l'autre qui arrive en plus derrière. En fait, il y a un truc changement de cible en fait. Quand on appuie sur la gâchette de. Enfin, sur R3, là, dans le jeu 3, ça change de cible. Aïe. Tu vas toucher, c'est pas grave. Voilà, hop, doucement. Ah non, j'abuse sur le focus, ce qu'il fallait pas. Mon dieu. Et l'autre derrière avec son bouclier là-bas au loin. C'est pas grave, au lieu on va l'achever et on va aller là-bas. Oh, il y a de la musique. L'ambiance viking ici, ça y est. Ok. Ah
On va éviter de s'approcher trop des barrières, parce que sinon je vais encore rester bloqué, je vais me prendre des coups pour rien. Hop. En plus, je sais pas comment je fais, mais j'esquive vraiment à la dernière minute. Hein. Donc, Bon, je voudrais bien rentrer à la porte, moi. Donc tu vas aller être sympa, tu vas me laisser rentrer, s'il te plaît. Bon, hop là. On va t'achever. Vite fait. Voilà, merci. Je peux rentrer ou pas? Il y en a encore? Ouais, bon, c'est fini. Ok, bon, ben on y va. Et je pense qu'on va se laisser là-bas, du coup. C'était par là qu'il fallait aller? Ça a changé tout d'un coup, là. Il n'y a plus de... Ok, ça a changé de truc. Ok, qu'est-ce que c'est que c'est? Ah, il fait assez sombre, je vois rien du tout. Every gate you open into darkness brings another change. Oh la vache, c'est quoi ça? Alors c'est pas moi, c'est une cinématique, hein. Donc Ah maintenant c'est moi. Oh c'est bleu, je m'attendais pas à ça moi. Oh et doucement Coco, c'est quoi en plus, t'es moche. Oh là, oh la vache. Ah je sais pas du tout comment il faut faire, mais Ok. Bon, on va essayer de... Putain, la vache, quoi. Qu'il est con. Il s'est pris le mur qu'il a fait. Je peux même plus focus, en fait. Hein, mais par contre, je peux... J'aurais dû continuer. Mais je l'ai pas fait. Là, par contre, la pourriture, elle monte bien. Hein. Oh, la vache, quoi. C'est même pas un boss, en fait. Enfin, je sais pas si c'est vraiment un boss. Oh vas-y. Oh doucement. Oups. Eh oui évidemment si tu recules. Bon je peux plus avoir le focus pour l'instant. Putain, la pourriture elle est remontée, mais. Ah, je m'attendais pas à avoir un boss là directement d'un coup. Non, vous voyez que je vous ai dit qu'il y avait pas mal de trucs à faire. Hein. D'accord, le mec il essaie de me faire perdre l'équilibre. Doucement. Ils sont nerveux. Hein. Bon, je peux toujours pas focus, c'est bientôt rempli. Je sais pas si on va le voir ici. Je peux toujours pas l'utiliser. Maintenant. Ah, c'est bon. Ah non, toujours pas. Ok, on va essayer de... Doucement, les petits loulous. Ils sont chiants. Je crois qu'il y en a deux en fait, derrière il y en a un. Voilà, je savais très bien qu'il y en avait un derrière. Oh la vache quoi. Bon, l'autre il est mort, c'est déjà un bon point. J'ai l'impression que ça va vraiment se corser. Ok. Il n'y a plus que toi et il y en a encore un autre là. Oh mais ils arrivent tous. Allez meurs, comme ça je vais m'occuper de l'autre là-bas. Bon je peux lui mettre un coup, je suis content. Voilà, oh, c'est parfait. En plus j'ai touché les deux donc c'est cool. Bon ils sont plus que deux. Ah j'imagine. J'arrive.
C'est vrai, j'ai l'impression que la pourriture elle est montée, mais à une de ses vitesses. Putain, je m'attendais vraiment pas à avoir un boss quoi. J'ai l'impression que c'était fait exprès. Qu'on meurt comme ça d'un coup. Ou alors je me suis mal pris. Allez, c'est... Oups. Bon, il y en a trop là des ennemis. Hein. Alors je me demande si la pourriture elle atteint un seul bras et qu'elle monte directement à la tête ou est-ce qu'on a le temps avec le deuxième en fait. Parce que pour le deuxième ça va, on est plutôt tranquille. Le focus une dernière fois ou pas, je sais pas trop en fait, je sais pas si je pourrais l'avoir comme ça. C'est en plus il attaque le con quoi. Bon, j'ai pas envie de focus si je suis obligé, je crois que ça va prendre beaucoup plus de temps, tant pis. Ah oui, le story en plus il est encore vivant après ça. Voilà, c'est bon, c'est parfait, c'est fini. Ok, j'ai une sauvegarde automatique. Mais j'ai peur d'aller de l'autre côté et de me ramasser encore un autre boss. Normalement c'est pas le cas, enfin j'espère pas en tout cas. Je suis censé aller où en fait? Ah, ok, bon, il y a une porte juste là, ok. On va voir s'il y a derrière, s'il y a un boss, j'arrête. S'il n'y a pas de boss, je sais pas. Non, je pense qu'on va plutôt mettre fin à cet épisode ici. Parce que sinon, ça va me prendre énormément de temps. Bon, on a quand même bien progressé, en plus, il y a plein de symboles. Il y a plein de trucs à aller voir. Oh, bon, franchement, la pourriture, elle est montée, mais vraiment... C'est vrai, regardez-moi ça, quoi. Attends, je vais me mettre à la lumière. Elle a progressé quand même un petit peu. Hein. Mais bon, on va s'arrêter là pour cet épisode numéro 9, je crois. Je sais plus. C'est pas grave. Bref, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour la suite d'Hellblade et je vous dis à très bientôt. Salut à tous!